change the world forever. Allez hop, c'est parti. Il faut retrouver ma femme. Y a-t-il personne pour m'aider ? Dernière quête de l'acte 1. Enfin, dernière quête secondaire. Comment ça, vous ne pouvez pas m'aider ? Il s'agit d'un conflit domestique, Serra. Si votre femme a décidé de vous quitter, nous ne pouvons l'en empêcher. Ninette est ma femme. Nous sommes unis devant la loi. Ramenez-la, moi. Allons-nous-en d'ici. Bon à rien. On se demande pourquoi on paie ces fainéants. Payez donc quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, j'aime qu'on m'achète. Trouvez Ninette et je vous paierai avec joie. Cette gourde ne cesse de m'attirer des ennuis. Retrouvez-la et ramenez-la de force s'il le faut. Les gardes ne sont pas d'accord. Ceux-là, ils sont encore plus contrariants que ma femme. Votre acolyte se montrera peut-être plus raisonnable. Sa famille me soupçonne. Il pense que je l'ai maltraité. Et quand bien même. Bref, je veux seulement leur prouver mon innocence. Croyez-vous que Ninette puisse être en danger ? Elle l'aura bien cherché, à force de se pavaner avec des jouvenceaux deux fois plus jeunes qu'elle. Pensez-vous ? Elle veut juste me montrer que c'est elle qui tient les cordons de la bourse ! Vous vous souciez davantage de l'opinion de sa famille que de ce qui a bien pu lui arriver ? Ninette aime la compagnie des hommes, et elle ne s'en cache pas. Je serais bien mieux sans elle. Du moins tant que ses proches savent que je n'ai rien à voir avec sa disparition. Autrement, ils me ruineraient. Diantre, faut-il être folle pour quitter une perle telle que vous ? Oh, ça n'a pas toujours été comme ça. Nous étions amoureux avant. Elle a même défié ses parents pour m'épouser. Parfois, je me demande si ces années de bonheur n'étaient pas qu'un rêve. Bon, c'est une raclure aujourd'hui, mais à une époque, ils étaient vraiment ensemble. Et bon, bah c'est sa description des événements, hein. Il dit que c'est sa femme qui l'a trompé et tout, mais bon, quelque chose me dit que lui aussi, il a des choses à se reprocher. Bon, en gros, personne n'est vraiment juste dans cette affaire. Hein. Depuis quand votre femme a-t-elle disparu ? Un mois environ. Je ne me suis pas inquiété tout de suite. Ce n'était pas la première fois. Ninette est ingérable. Vous savez, elle va, elle vient à sa guise. Ouais, le genre de femme donc qui est prête à aller voir ailleurs si elle veut, quand elle veut, quoi. Quelle raison sa famille a-t-elle de vous soupçonner ? Ils sont persuadés que je l'ai épousée pour son héritage. Et ils savent qu'on se dispute sans cesse. D'après eux, c'est une raison suffisante pour que je m'en prenne à elle. Mais je jure sur les reliques d'Andrasté que je n'ai rien fait. J'ai du mal à en vouloir à ce type. Parce que, jusqu'à que même cette Ninette était prête à défier ses propres parents alors que ces derniers pensent qu'il voulait juste l'héritage, et que lui semble vraiment sincère en disant que lui il s'en fout de l'héritage, il voulait juste l'épouser parce qu'il l'aimait à l'époque. Aujourd'hui cet amour a disparu, mais à l'époque c'était sa raison de se marier avec elle. Donc voilà. Le fait qu'il s'est rapproché de son argent doit être du fait de son statut. C'est peut-être un homme qui est moins riche que la majorité des gens de la haute ville, et il doit aimer sa vie de confort. Donc il doit être très proche de son argent, et donc de la façon dont il le dilapide. Enfin bref. N'empêche, il a sûrement des choses aussi à se reprocher. Mais nous ne soyons pas non plus trop, comment on appelle ça, trop autoritaire avec lui. Non, pas autoritaire, trop... Trop dur, voilà, trop dur avec lui, essayons de faire preuve de justice. À savoir, bon, il est de toute évidence pas une bonne personne, mais derrière, sa femme ne l'est pas vraiment non plus, puisqu'elle n'hésitait pas à le tromper, à partir quand elle voulait, puis revenir, tout ça, etc. Elle n'hésitait pas à voir ailleurs, donc voilà quoi. C'est l'un comme l'autre ont des défauts, c'est à retenir, et chacun d'entre eux sont donc coupables dans leur situation conjugale. Je ferai de mon mieux pour retrouver Ninette et vous la ramener. Vous devriez aller voir Gétane à la Rose en Fleurs. J'ignorais qu'elle fréquentait les bordels, jusqu'à ce que ce débauché lui envoie une lettre au domicile conjugal. Il lui a même offert des lys, ses fleurs préférées.
Ressasser cette histoire me donne mal au crâne. Bonne chance, Serra. Bienvenue, marchand. Je ne suis pas ici. Ouais. Ma cargaison est en retard. Dans ce cas, allons-y. Bonne chance à vous. Allons-y, allons-y. Encore une fois, à la rose en fleurs. Eh ben dis donc. On y passe un peu trop notre temps, je trouve, perso. Le pire, c'est qu'on va y retourner dans l'acte 2 et 3, quoi. Cet endroit, on le quittera décidément jamais. D'ailleurs, dans les chargements, ils n'arrêtent pas de dire que les clients... Les clients les plus... qui viennent le plus souvent, ont droit à une... un service spécial de la part de la patronne des lieux. Donc je me demande si c'est pas un truc caché du genre donner l'argent à la dirigeante des lieux, faire chaque scène avec chacun des personnages qui peut être donc sélectionné à partir du service qu'on a acheté. Peut-être, allez savoir. Il faut voir. Faut que je réfléchisse en fait. Peut-être qu'il y a un truc derrière. Ah. À la limite, je pourrais faire une sauvegarde à un moment donné pour réussir ensuite à voir ce que ça donne. Et comme ça, hors vidéo, je vois ce que ça donne. Et si c'est s'il n'y a rien derrière, c'est pas grave, j'aurais qu'à recharger la sauvegarde. Comme ça, je récupère tout mon argent. Ouais, je peux toujours faire ça. Salut, ami. Je suis de repos aujourd'hui. Mais je vais faire une exception, rien que pour vous. Comment dire ? À quoi bon travailler si on ne se donne pas à fond ? Je comprends que Ninette ait été séduite. Quel bout en train ! Rien à voir avec la limace baveuse que j'ai épousée, comme elle dit. Il paraît qu'elle a enfin quitté son bon Arien de mari. Tant mieux, je regrette seulement qu'elle ne m'ait pas dit au revoir. Vous a-t-elle dit qu'elle avait quitté son mari ? Non, mais j'espère qu'elle l'a fait. Ghislain s'intéresse à elle uniquement parce que sa famille est riche. Ninette est une perle. Élégante, raffinée, libertine à souhait. Ghislain ne la mérite pas. Pensez-vous qu'il ait pu arriver malheur à Ninette ? J'espère que non. Tout le monde aime Ninette. Et plutôt deux fois qu'une. Ghislain est le seul qui aurait pu lui vouloir du mal. Mais il n'a pas le cran de passer à l'acte. Ghislain savait que vous aviez des relations avec Ninette. Il est venu vous parler ? Il en serait bien incapable. Il est venu ici pour m'insulter. Il m'a traité de vermine d'oreille pointue, entre autres, et m'a accusé de corrompre sa femme. On l'a jeté dehors. Vous espériez que Ninette quitterait Ghislain pour vous ? Bien sûr que non. Je sais rester à ma place. J'offre un service, voilà tout. En tout cas, quelqu'un d'autre est à la recherche de Ninette. Un Templier, du nom d'Emeric, je crois. Lui aussi a refusé de coucher avec moi. C'est étrange. En général, les Templiers s'intéressent exclusivement aux mages. Se pourrait-il que Ninette soit un apostat ? Ma foi, on peut dire qu'elle m'a ensorcelé. Quoi qu'il en soit, si Ninette était mage, Emeric me l'aurait dit. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec qui elle ait passé du temps en tête à tête ? Elle a toujours aimé les hommes en uniforme. Allez lui demander vous-même. Emeric a dit qu'il poursuivrait son enquête à Sombrerue. Vous devriez aller voir s'il y est encore. Et si vous trouvez Ninette, dites-lui de passer me voir à l'occasion. Je crois que... Ouais. Une quête, c'est une quête. Valmar, accepte-le. Encore vous ? Et si vous vous laissiez tenter par un de mes multiples talents ? Ah mon dieu, tout ça pour une quête ! Je ne fais que passer. À votre guise. Mon dieu. Je ne suis pas de ce bord-là, mais je suis obligé parce que le jeu. Encore vous ? Et si vous vous laissiez tenter par un de mes multiples talents ? Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire toutes les quêtes d'un jeu quand même, hein ? Et avoir tous les succès possibles ? Oh là 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 là, Valmar, mon pauvre Valmar. Mais comment tu vas t'en sortir dans la vie ? Oh, un Okubi. Pourquoi pas ? J'ai de l'argent et du temps devant moi.
Alors ma foi, pourquoi pas. Oh, que pas maintenant. Ah, yes. Je vais me gêner. Attendez-moi ici. Ma patience a des limites, vous savez. Ah, oh, ça va, Aveline. Ça va, on est assez en bon terme, toi et moi, donc je pense que tu peux laisser passer, quoi. Ah, et puis surtout, c'était juste pour un succès, j'en suis sûr, en plus. Ah. C'était une quête. C'était une quête, Valmar. Remets-toi de cette expérience. Et en plus, on n'a rien vu, donc en quoi ça te pose problème, Valmar? Hein? Alors, ressaisis-toi. T'es pas de ce bord-là, mais ça existe et il faut que tu l'acceptes. Voilà. T'y arrives bien avec à lire des histoires où des filles s'aiment, alors tu peux accepter le fait qu'il y a aussi des mecs qui peuvent s'aimer. Allez, Valmar! Oh là là. D'ailleurs, je comprendrai jamais ça, pourquoi. Pourquoi j'arrive à apprécier les histoires de femmes qui s'aiment, mais pas celles des hommes? Je n'arrive pas à comprendre ça. Vous voyez par exemple The Owl House, vous savez le dessin animé de Disney là qui va être annulé, etc. Bon bref, voilà. Justement, la relation entre Luz et Amity, elle est tellement pure que je l'adore et j'adore découvrir les nouveaux fanarts et notamment les nouveaux fan comics qui sortent sur ce couple là, sur le couple Lumity comme il se fait appeler sur internet. Donc voilà, c'est vraiment des trucs que je trouve hyper sympa et puis. Le plus impressionnant, je trouve, c'est que dans les fan comics, ils arrivent vraiment à bien centrer les personnages au niveau de leurs relations. Même, je veux dire, les personnages secondaires, dont on n'est même pas sûr quelles relations ils peuvent avoir avec d'autres personnages, ou même des personnages qui n'existent pas, des fois ils créent carrément des personnages pour donner une relation à tel ou tel personnage. Enfin bref, et chaque fois c'est toujours bien maîtrisé, et il y a toujours ce côté humour Disney, mais qui fonctionne bien, vous voyez. Pas un humour forcé, un humour vraiment bien préparé, bien calculé. Sérieusement, je vous conseille de lire les fan comics de l'univers The Owl House. Ils sont tous très sympas à lire. Et évidemment, je vous conseille ceux qui parlent surtout de Luz et d'Amity. Ce sont ceux que je trouve les meilleurs, etc. Par exemple, il y en a un qui est sympa. Ou par exemple, on sait que dans l'univers de The Owl House, on a, comment ça s'appelle, la mère d'Amity. Qui n'est pas d'accord avec la relation entre Luz et sa fille, donc. Et le truc, c'est que dans l'univers de The Owl House, on sait que les relations de ce genre, c'est-à-dire les relations gay, bi, tout ça, enfin, toutes ces relations-là, j'ai pas tous les noms en tête, mais bon, bref. Donc, toutes les relations possibles, tous les genres, etc., sont acceptées parce que dans cet univers-là, il n'y a pas les mêmes problèmes que dans notre monde. Ce genre de problème n'existe pas. Donc voilà, ce genre de choses n'est pas sujet à débat dans l'univers de The Owl House. Et ben justement, j'ai trouvé un fan comics qui est intéressant, où justement il y a la mère d'Amity qui parle à Luz et qui lui dit « Je n'apprécie pas la relation que tu as avec ma fille. » Elle et Luz répond tout simplement « C'est parce que je suis une fille. » Et la mère elle fait « Quoi ? Non ! Quelle idée saugrenue ! Non, non, c'est parce que tu es pauvre, que tu es humaine et que tu n'es rien du tout par rapport à nous. » Et le comic se termine sur Luz qui fait un câlin à la mère d'Amity et celle-ci lui fait des... comment on appelle ça ? Des petites tapes sur la tête là pour, on va dire, la... Lui dire allons, du calme, comme ça, en ne comprenant pas ce qui se passe. Donc voilà, j'aime bien ce fan comics. Il transpire vraiment la vision qui existe dans l'univers de The Owl House, c'est-à-dire les relations et les genres en tout genre, quelles qu'elles soient, tout ça, etc., sont tous acceptés et ne sont pas vus comme bizarres ou sujets à débat ou des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà. Mais encore une fois, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi j'arrive à accepter les histoires entre filles, mais pas les histoires entre mecs. J'ai toujours eu du mal, je sais pas. Une partie de moi me dit, mais c'est parce que tu trouves que les filles, c'est la représentation de l'amour, donc le fait que deux filles s'aiment, c'est la représentation d'un amour pur. Ouais, mais... Même moi, je trouve que c'est bateau pour moi, donc... J'essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qui m'attire dans ce genre d'histoire. Parce que... Les histoires d'amour, j'ai trouvé ça toujours super quand c'est bien fait. Comme par exemple dans les fan comics de The Owl House, comme je viens de vous le dire. Mais
Mais j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi je suis plus attiré par les histoires d'amour entre filles que n'importe quelle autre histoire d'amour. Je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient ce truc-là. J'ai toujours essayé de trouver une réponse avec moi-même en me disant, comme je vous ai dit par exemple, le fait que pour moi, une fille, c'est la représentation de l'amour en règle générale. La femme, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est la bienveillance, tout ça, etc. Bon, bref, les vertus qu'on donne aux femmes. Et que donc, deux femmes qui s'aiment, c'est donc un amour pur en soi. Donc ça, c'est la réponse, on va dire, un peu banale qu'on donne à ce moment-là. Mais même moi, je trouve que c'est une réponse un peu trop facile pour moi. Donc voilà, je sais pas. Et vous ? Est-ce que vous lisez des histoires comme ça, de relations entre gens de même genre, ou ayant une relation particulière, tout ça, etc. Ou qui sont d'un genre particulier, et que vous n'arrivez pas à expliquer le truc. Donc voilà, j'aimerais savoir, tiens pour le coup, est-ce que d'autres que vous ont le même problème que moi ? Et si d'autres n'ont pas ce problème et qu'ils savent comment expliquer, comment eux ils peuvent lire, par exemple, je sais pas moi, on va reprendre, tiens, l'exemple que moi j'arrive pas à avoir, c'est-à-dire lire des histoires d'amour entre hommes, m'expliquer qu'est-ce que vous trouvez dedans, qu'est-ce qui vous attire dedans en fait ? Donc voilà, peut-être que ça finira par me débloquer moi-même sur la question. Donc voilà, je sais pas. À tenter. On peut toujours en discuter. Attention, faut pas que non plus que ça tourne à « Ah non, hérésie de telle chose » ou je ne sais quoi. Non. On ne ferait que discuter du sujet. Mais en aucun cas, on va essayer d'apporter une espèce de vérité absolue à apporter à tout le monde. Comme je l'ai toujours dit, on peut donner son avis, mais on ne doit pas l'imposer. Donc voilà. Bref, on va quitter cet endroit une bonne fois pour toutes. Bon, à la recherche d'un Templier. Où est-ce qu'on va trouver un Templier ? Ah, à Sombre Rue, évidemment. Bon, et là, il y a d'autres groupes qui m'attaquent ou pas ? Toujours pas ? Oh, mais normalement, il y a encore des groupes à affronter. Si je me souviens bien. Oh là là, je commence à avoir un doute. Oh là 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 là, ça va pas aller ça. J'espère juste que c'est pas bugué. J'aimerais quand même récupérer le succès qui dit que j'ai chassé toute la vermine de la ville. On aurait dit mon oncle. C'est sûrement ton oncle petit, mais qui a été transformé en engeance. Voilà, ça c'est la réponse sec et qu'il faut surtout pas dire. Donc voilà. Allons-y. Ah ! Eh ben on n'aura pas mis longtemps à le trouver. M'obligez pas à vous blesser, mec, t'es sûrement en plus mauvaise position qu'eux. Je vous remercie de votre venue, Serra. Emeric, pour vous servir. Vous êtes plus vieux que je pensais. Ninette semble avoir un penchant pour les jeunes gens aux oreilles pointues. Comment ? Ninette, la femme de Ghislain de Carrac. Vous enquêtiez à son sujet. Ah, la femme de Ghislain de Carrac. Sa disparition a éveillé ma curiosité. J'ai tenté d'en savoir plus. Mais mes recherches se sont soldées par un échec. Une telle attitude ne vous mènera nulle part. Au début, j'étais motivé. Mais le manque de résultats a eu raison de mon enthousiasme. Tout a commencé avec la disparition de ma reine, un des mages de notre cercle. Ça m'a intrigué, car elle était assez âgée et peu audacieuse. Et puis j'ai entendu parler de Ninette et des deux autres femmes portées disparues. Un de mes amis a disparu une fois. Je l'ai retrouvé sous mon lit, plein comme une outre. Un problème ? Je pense que les disparitions sont liées. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Je crois savoir que le cercle se sert de phylactères pour suivre ses mages à la trace, non ? Son phylactère nous a menés jusqu'à une fonderie où nous avons brusquement perdu sa piste. J'ai entendu dire que des sympathisants aidaient les mages en fuite à passer à Sombre Rue. Et je suis venu dans l'espoir de trouver de nouveaux indices. Je n'ai trouvé aucune trace de ma reine,
Et, comme vous avez pu le constater, les autochtones n'aiment guère les curieux. Avez-vous fait part de vos craintes à la garde civile ? On m'a répondu qu'il n'existait aucune preuve d'un quelconque lien entre les disparitions. Ces femmes auraient simplement décidé de partir. C'est paraît-il fréquent. Les gens ne disparaissent pas comme par enchantement. Elles ont peut-être été assassinées ou enlevées. Nous n'avons retrouvé aucun corps. Et il n'y a pas eu de demande de rançon. Ces femmes se sont évanouies dans la nature. Il arrive fréquemment que des mages fuient le cercle. Peut-être ma reine voulait-elle recouvrer sa liberté. Elle s'est toujours montrée loyale. Un admirateur secret lui avait envoyé des fleurs, et certains d'entre nous ont cru qu'elle était partie le rejoindre. Sa disparition est peut-être liée. Encore une histoire de fleurs. C'est très agaçant de perdre ses affaires. Hélas, ça m'arrive tout le temps. Je... quoi ? Les femmes, elles ont disparu et restent introuvables. Ah oui. Pour être honnête, je suis là de chercher, Serra. Ce combat m'a fait comprendre que je ne suis plus le guerrier d'antan. Il faut savoir passer la main. Tenez, voici mes découvertes. Elles vous seront peut-être utiles. Moi, je regagne la potence. Ce n'est plus de mon âge. Une fonderie de la basse ville ? Je devrais me pencher là-dessus. Oui, mais avant, explorons un peu les lieux. Je veux dire, on peut. Donc faisons-le. Ah oui, mais il n'y a pas grand-chose à explorer. Ben, c'est pas grave. Au moins, on a essayé de voir s'il y a des trucs à explorer. C'est pas le cas, mais on peut toujours essayer. Le Valmar que je suis n'abandonne jamais aucune piste. Donc la fonderie, vous avez dit. Et plus précisément, il nous faut... comment ça s'appelle ? Il nous faut nous rendre de nuit, je pense. Puisque ça colle bien à l'ambiance enquête, crime, tueur en série. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, hein, cette histoire va, de femme portée disparue va nous poursuivre jusque dans l'acte 2. C'est une histoire de tueur psychopathe, un tueur en série, quoi. Qu'on va poursuivre donc jusqu'à l'acte 2. Où on aura la conclusion vers la fin de l'acte 2. Allons-y. Comment ça va, Samson ? Il paraît qu'ils ont enfermé votre Fenrir au cercle. C'est mauvais, ça. Si tu le dis. Moi, j'ai fait juste mon boulot, hein. Il n'y a vraiment rien ici. Très bien. Jouez dessus. Depuis tout ce temps, il y a un tonneau que j'ai pas fouillé. Bon, pour une écharpe mitée. Mais tout de même. J'ai vu notre homme. Attendez. Ok, y a rien ici. On peut continuer. Ok, là par contre c'est problématique. Il fallait que le tueur psychopathe, ce soit quoi ? Un mage ! À Varric de venir. Je remets ça quand vous voulez. Pour les coups, je suis un peu suspect. Je trouve que c'est un peu suspect comme endroit. Donc je vais fouiller avec Varric. Hein. Ça ne me dérange pas. Hein.
toujours pas fini. Bon, ça c'est fait. Ce sac d'os, je crains de savoir ce que c'est. On dirait une bague orlésienne. Une main tranchée, une bague et un tas d'ossements. Emeric voudra sûrement y jeter un coup d'œil. Je vais apporter la bague à Ghislain. Il se peut qu'elle appartienne à Ninette. Ouais. Donc il faut aller les voir. Commence avec Emeric, histoire d'essayer de le relancer dans l'enquête, quoi. Et ensuite on ira parler au mari pour lui dire affaire classée, mais pas dans la façon que t'espérais. Vous reconnaissez votre mage? On les a trouvés non loin d'une horde d'ombres hystériques, dans la fonderie que vous mentionnez dans vos notes. Ce sont des ossements humains? Il n'y a plus aucune chance de retrouver ma reine en vie. Ni les autres, d'ailleurs. Si elles ne sont pas mortes, on devrait les reconnaître facilement. Des femmes désossées, ça ne court pas les rues. Un peu de respect, que diable. Mes hommes ont mis du temps à réagir, mais là, une intervention officielle s'impose. Je vais de ce pas apporter ceci à la garde civile. Cela suffira peut-être à les convaincre d'enquêter sur les personnes disparues. Je n'arrive pas à croire que Grace se soit dénoncée. Allez, allons prévenir le mari. Désolé mon vieux. Ça va pas être la meilleure des nouvelles que je t'apporte. Je n'ai pas pu ramener votre femme, mais j'ai trouvé cette bague. Elle doit valoir une petite fortune. Je la reconnais. C'est l'alliance de Ninette. Regardez les inscriptions. Pour toujours fidèle, pour toujours tienne. Oh, c'était le bon temps. Où l'avez-vous trouvée? Sur la main de Ninette. On l'a lui a tranchée. Elle est morte. Sur sa main? Je vois. J'aime autant que vous la gardiez. Je ne veux rien qui puisse m'impliquer dans sa mort. Surtout avec sa famille qui n'arrête pas de me poser des questions. Hein, ils vont m'accuser. Je les vois venir. Veuillez m'excuser, Serra. Je dois prendre mes dispositions. Ouais. Je me retrouve donc avec une bague pas tellement utile pour moi, là. Alors on va voir ça, hein, on va vérifier, mais bon. Ah là là. Circuler. Bon bah à partir de là, on a terminé. Il nous reste plus qu'une dernière chose à faire. L'expédition dans les tréfonds. Mais on ne va pas faire ça tout de suite. Attendez, ça prend du temps déjà de faire cette expédition, quand même. Hein. Voilà. Et surtout, je vais faire les conversations entre les copains. Allez, à tout de suite les majors. Je vais essayer de m'assurer de débloquer toutes les conversations. C'est juste en fait de se balader dans les différents endroits et attendre qu'ils réagissent. Allez hop, on y va. Arrêtez de me regarder. Quel est votre problème, petit Hawk? Ne m'appelez pas. Arrêtez ça, d'accord? Vous cherchez de la matière pour vos histoires. Vous vous croyez à ce point intéressant? J'ai déjà assez de mal à vivre dans l'ombre. Je n'ai pas besoin d'un double imaginaire pour me rabaisser encore. Ne vous en faites pas, je ne fais pas dans les berceuses et les contes pour enfants. Varric? Carver? Vous pensez toujours nous aider tout en nous endettant auprès de votre frère?
Vous traînez toujours au basque de vos supérieurs tout en vous plaignant d'eux. On boit un verre plus tard ? Je ne rate jamais une occasion. Alors Isabella, vous avez été capitaine d'un navire ? Tous ces hommes à prendre en main, sous votre commandement ? Ma foi, quelle adorable façon de mettre les pieds dans le plat. Vous dites cela comme si j'étais inoffensif. Aussi inoffensif qu'un chiot, qui, quand il sera enfin devenu grand, plantera profondément ses crocs. C'est ça, riez de moi. Je vais vous montrer si je suis un chiot. Je sais, c'est pour ça que je le fais. Vous n'avez donc jamais vraiment pensé à vous cacher de ces chasseurs ? Dans quel but ? Pour que vous puissiez, voyons voir, avoir une vie. Et quelle vie avez-vous ? Vous n'êtes pas pour chasser le moins du monde, pourtant. J'ai une vie. Une vie dont vous vous plaignez constamment. Nous ne sommes pas toujours libres de nos mouvements, vous le savez bien. J'ai une vie, c'est vrai. Alors je me trompe. On dit que l'enclin est fini, mais... Êtes-vous un allié sûr, Fenris ? Non. Vous savez, certains gardes sont prêts à accepter un mensonge s'il peut maintenir la paix. Vous voyez très bien ce que je suis. Vous pouvez vous mentir à vous-même si vous le souhaitez. Je suis surpris que vous soyez encore avec nous, Aveline. Carver, pitié. Vous êtes tellement occupé avec les gardes. Ça doit être une vraie corvée d'errer avec les réfugiés. C'est plutôt rassurant de voir que vous m'insultez comme si je faisais partie de la famille. Ce n'était pas un... Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Mais estimez-vous heureux que je le prenne de cette façon. Vous êtes connu, Fenris. Comment ? Je parcours les rapports négligés de Jeven. Certains parlent de vous, de réclamations à votre encontre. Venant de qui ? Je l'ignore. Elles datent et sont mal rapportées. Cependant, vous devriez vous tenir le plus convenablement possible. Merci de vous en être débarrassé. Je ne l'ai pas fait. La première fois que vous avez pratiqué la magie du sang, c'était donc un accident, c'est ça ? Vous vous êtes coupé au sang et avez pris conscience de tout ce pouvoir. Vous n'avez donc pas fait face à un démon ? Oh, détrompez-vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela ? J'avais besoin de son aide. Il s'est montré très compréhensif. Et comment ? Vous lui ouvriez grand les portes vers votre âme de mortel ? C'est un esprit. Il m'a offert son aide. Vous êtes d'ailleurs mal placé pour me juger. Vous n'êtes pas une fille comme les autres. Non, je suis une elfe. Ah oui, d'accord. Oh, est-ce que j'ai raté un sous-entendu tendancieux ? Quoi ? Non, aucun sous-entendu. Rien du tout de ce genre. Ah, d'accord. Parce qu'il m'arrive souvent de rater ce genre de choses alors que j'aimerais parfois les entendre. Ah oui. Votre peuple a fait beaucoup de chemin, Meryl. Mais j'aime à penser que nous avons fait Elden en commun. Je n'ai jamais vu Lothering. Avez-vous marché autant que nous ? Peut-être plus. Vous n'aviez pas de halle. Notre char sentait mauvais. Votre char ? Quelque chose avait pourri dans la réserve. Je sens encore l'odeur. Oh, eh bien, ça a dû être pénible. Oh oui. J'ai encore raté un sous-entendu tendancieux ? Non. Vous ne m'aimez pas, Carver. Je ne vous aime pas. C'est malheureux. Détester quelqu'un uniquement parce que c'est un mage est peu honorable. Je ne vous déteste pas parce que vous êtes un mage. Je vous hais parce que vous en parlez constamment. Oppression ceci, templier cela. J'en avais déjà assez entendu parler avant que vous vous y mettiez. Il serait peut-être temps que vous y réfléchissiez sérieusement. Est-ce que Ferelden vous manque ? Parfois. Les murs. On dirait qu'il n'y en a pas ici. Il y avait aussi des petits passereaux avec une huppe noire. Les aboiements des chiens me manquent un peu. Oui. Ici, il n'y a guère que les humains qui m'aboient dessus. C'est un peu moins mignon.
Comment avez-vous appris à manier l'épée ? Manier l'épée ? Oui, ces trucs que vous faites avec une épée. Ça a l'air compliqué. C'était dur à apprendre ? Ça demande beaucoup d'entraînement. En tout cas, vous avez l'air doué. Je parie qu'un jour, vous serez le meilleur épéiste de Kirkwall. Meryl. J'ai encore dit quelque chose de travers, c'est ça ? Je ferais mieux de me taire. Peut-être ne comprenez-vous tout simplement pas la différence entre un démon et un esprit. Qui êtes-vous pour donner des leçons ? Les esprits furent les premiers descendants du Créateur. Mais il s'est ensuite détourné d'eux pour s'occuper de ses chers petits mortels. Certains esprits indignés devinrent des démons, bien décidés à priver les mortels de tout ce qui les rendait si particuliers pour retrouver les faveurs du Créateur. Ce Créateur n'est qu'un mythe que vous autres humains utilisez pour expliquer l'univers. Nous avons nos propres légendes. Je n'ai aucunement besoin des vôtres. Baissez les yeux, chien de... J'aimerais en savoir plus sur la fonction de garde, Aveline. Je ne crois pas que vous soyez faite pour ce travail. Je le sais bien. Mais ça pourrait m'aider à ne pas me faire arrêter. Vous auriez peut-être dû garder ça pour vous. Pourquoi ? C'est juste que... Laissez tomber. Pourquoi ne nous arrêtez-vous pas, Aveline ? Quoi ? Nous enfreignons la loi, j'en suis presque sûre. Il y a des lois pour tout. Vous n'êtes pas une mauvaise garde, n'est-ce pas ? Non ! Tant mieux. Est-ce que c'est parce que vous aimez bien Hawk ? Je l'aime beaucoup, moi. Je suis vraiment contente de le savoir, mais vous devriez le garder pour vous. J'aimerais plutôt le lui dire à elle. Je vais rien dire, encore un bug. Serre Cabriole ? Qui l'a adoubé ? Est-ce une question sérieuse ? Avait-il une petite épée ou juste ses griffes ? Je suis sûre qu'il avait un fringant chapeau avec une plume. Pourriez-vous arrêter de vous moquer de mon chat ? Oh, pas de chapeau alors. Eh bien, capitaine, je peux vous appeler capitaine ? Vous pouvez m'appeler capitaine. Ça m'étonnerait. Et j'en ferai autant, car vous êtes capitaine de la garde. Sans autorité réelle, pas comme sur un bateau. Oh, je vous fais confiance. Vous savez très bien ce que cela fait de tenir des dizaines d'hommes entre vos mains. Vous avez dû attendre des lustres l'occasion de la sortir, celle-là. Vous vous êtes entraîné devant un miroir ? Fermez-la. Comment faites-vous cela ? Comment fais-je quoi, ma jolie ? Vous avez cette démarche assurée quand vous marchez. J'ai bien essayé d'en faire autant, mais je m'en mêle les pinceaux. Il suffit de se pavaner. C'est le genre de choses qui ne s'apprend pas. Comment puis-je y arriver, alors ? Ça vient tout seul, la nuit, le plus souvent. C'est comme un amant ou un voleur. Soit il vous enlève, vous, soit il s'enfuit avec vos bijoux et vous devez lui courir après pour le poignarder en plein cœur. Et cette métaphore en a dit un peu trop long sur moi, non ? Je crois bien que oui, mais c'était passionnant. Avez-vous un perroquet, Isabella ? Qu'est-ce que je ferais d'un perroquet ? Et une jambe de bois ? Vous n'avez pas de ça non plus ? Ça, vous pouvez le constater de vous-même, ma chérie. Un cache-œil ? Je vous déçois terriblement, n'est-ce pas ? Et je n'ai pas non plus de crochet en lieu et place de main. On dirait que les histoires de pirates de Varric sont passablement inexactes. Il le sait, ma petite, mais il les préfère ainsi. Aimez-vous vraiment naviguer ? Si j'aime, j'adore ! Les embruns qui me fouettent le visage, le vent claquant à mes oreilles, les mouettes hurlant au-dessus de ma tête, j'adore ! Vous n'êtes jamais malade ? J'étais tellement malade quand nous avons traversé l'océan. Vous étiez dans la cale ? Tout le monde était dans la cale. C'est ça le problème. Il faut aller sur le pont, à l'air libre, sans rien entre vous et l'horizon. Naviguer, c'est comme le sexe. Quand ce n'est pas bien fait, ça rend malade. Mais quand on le fait bien, c'est la plus belle sensation qui soit. Merci beaucoup de m'avoir aidé tout à l'heure, Varric. Vous êtes rentré au parc Cloître en un seul morceau, alors ?
Je ne sais pas comment je me suis retrouvée à Sombre Rue. Il y a tellement de ruelles à Kirkwall. Vous avez encore cette bobine de ficelle? Je l'ai laissée chez moi. Ne vous inquiétez pas. Je ne me perdrai pas tant que nous suivrons Hawk. Pensez-y la prochaine fois, Daisy. Juste au cas où. Daisy, par égard pour moi, pourriez-vous arrêter de couper à travers les allées de la base ville, seule, la nuit? Il ne se passe jamais rien. Je ne risque absolument rien, Varric. Oui, je sais. Et ce rien me coûte une fortune. Je n'avais encore jamais rencontré de nain. C'est parce que vous avez passé trop de temps à batifoler dans les bois, Daisy. Un nain, ça ne batifole pas. Les Dalassiens ne batifolent pas vraiment non plus. Et encore moins dans les bois. Parce que vous avez des lieux réservés au batifolage? Non, on ne batifole pas dans les bois, c'est tout. Ça rend les arbres jaloux. Mais vous batifolez au moins. Bien sûr que oui. On ne serait pas des elfes sinon. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Vous avez les Valaslines, les mêmes marques que les Dalassiens. Les vôtres ne sont pas faites de lyrium? Non, elles sont faites avec du sang, notre sang. Valasline signifie « lettre de sang ». C'est une marque du passage à l'âge adulte. Les miennes ont été gravées dans ma peau contre ma volonté, lors d'un rituel dont je n'ose décrire l'agonie. Je suis désolée. Vous n'avez probablement jamais rencontré de Dalassien, n'est-ce pas? Je ne saurais dire. Je suis sûre que si. Les Dalassiens ne sont pas vraiment comme les elfes des cités. Votre sentiment de supériorité vous trahit. J'imagine que vous ne comptez pas arrêter de dire du mal des mages? Non. Ils ne sont pas tous comme ceux de Tevinter. Dès que les mages auront fui, ils s'empresseront de jouer les inquisiteurs. Ce sont des esclaves. Vous ne devriez poursuivre qu'un but, les aider. Ce n'est pas le cas. Votre peuple connaît certainement des histoires sur les Dalassiens, non? Mon peuple? Les elfes de Tevinter. Ils doivent avoir entendu parler de nous. Oui, en effet. Mais ils n'en ont que faire. Mais s'ils s'étaient enfuis, les Dalassiens les auraient aidés. Et s'ils s'étaient envolés dans les cieux, ils auraient élu domicile dans les nuages. Que mangeraient-ils dans les nuages? Il n'y a rien d'autre que du duvet et quelques oiseaux. Voilà pourquoi personne ne prend les Dalassiens au sérieux. Je ne veux pas de votre pitié. C'est à moi que vous parlez? Vous avez dit que vous étiez désolé pour ce que j'ai subi. Gardez votre compassion. Je voulais juste dire... Vous gaspillez une liberté que notre peuple ne connaîtra jamais. Et pourquoi? Notre peuple doit renouer avec son héritage. L'héritage de sa perte? Dans quel but? Seriez-vous prêt à tourner le dos à votre propre histoire? Nous ignorons tant de choses. Ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire, tout simplement. Il doit bien y avoir des mages à Tevinter qui ne sont pas adeptes de la magie du sang. Bien évidemment, il y a des esclaves. Les inquisiteurs n'ont aucun scrupule à asservir les leurs. Même les inquisiteurs? Pourquoi insistez-vous encore? Aucun inquisiteur ne ferait l'erreur de donner un avantage à ses rivaux, sous peine de signer son propre arrêt de mort. Vous savez, pour utiliser la magie du sang, vous devez regarder un démon droit dans les yeux et accepter son offre. Je suis sûr que tous ne l'acceptent pas, même si ce n'est que pour préserver leur apparence. Ai-je bien entendu? Vous êtes une abomination. Vous devriez parler plus fort. Tout le monde n'a pas entendu. Vous pensez être inoffensif, alors? Une abomination ne ferait jamais de mal à personne? Comme arracher le cœur encore palpitant d'un importun? J'ai fait ces choses sans le commandement d'un démon. Nous sommes donc d'accord pour dire qu'il n'est nul besoin de démon pour être un tueur sanguinaire. Bien. Bon, eh bien, tout semble me dire que je n'ai raté aucun compagnon au niveau de leur conversation pour l'acte 1. Il faut savoir qu'ils auront d'autres conversations durant l'acte 2 et durant l'acte 3.
et leur relation évolue au fur et à mesure à ce niveau-là. Certains finiront par vraiment s'apprécier, d'autres auront du mal mais se respecteront. Enfin bref, vous avez compris l'idée quoi, c'est un groupe qui va finir par se souder d'une manière ou d'une autre. Eh oui mon grand. Donc, je vais sauvegarder juste à côté de lui, tiens. Comme ça. Voilà. Mon grand, lève-toi s'il te plaît. Regarde dans cette direction, je vais essayer de... Voilà. Ah zut. Je viens de me positionner correctement par rapport au chien. Là ça devrait aller. Voilà. Donc sur ce les vagins, à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite. Et ciao ciao. On se retrouvera donc pour de prochaines vidéos sur Dragon Age 2. Et là nous allons terminer l'acte 1 dans la prochaine session d'enregistrement. Et après quoi, bah on attaquera l'acte 2. Voilà, allez, à plus. Quelque chose à dire, Valmar le Mabari? Non, rien du tout. Tu sais que t'as le micro là. Alors vas-y, si t'as des choses à dire, dis-le. Mouais. Ok. Bon bah. Allez, à plus les Valjeans.